Rebonjour ou bonjour pour celles et ceux qui nous rejoignent ce matin pour le deuxième jour des 48 heures consacrées aux métiers d'avenir, les métiers de demain, les métiers d'aujourd'hui dans le marketing, la com digitale, la tech et le web design. Donc une initiative du groupe Ionis avec les écoles Epitech, ISEG et IARTSUP. Pour cette troisième conférence, j'ai le plaisir d'accueillir Maxime Doreau. Salut Maxime. Bonjour. Maxime Doreau, qui est donc CEO de l'agence digitale Labellium, CEO de la France, puisque c'est une agence au rayonnement international. Et donc Maxime, avec toi, on va aborder le e-commerce avec la question de réussir face aux nouveaux enjeux du e-commerce. Donc c'est un peu vaste, un peu technique, donc on va pas forcément rentrer dans le cœur du sujet, dans le sens où on est là surtout pour vous faire découvrir tous les métiers qui gravitent autour du e-commerce, ce que ça veut dire tout simplement le e-commerce et les nouvelles mécaniques, et ce qu'on peut y faire. Maxime, toi, tu as d'abord monté ta, enfin, tu as une expérience dans l'entreprise, mais ensuite tu as monté une start-up, une boîte qui s'appelle Feed Manager. Tu vas nous rappeler ce que c'est. Et puis Feed Manager a été racheté par le groupe Labellium, donc c'est plutôt cool au bout de quelques années. Et aujourd'hui, eh bien, tu es CEO de Labellium France et parmi les différentes structures de ce groupe, il y a ta boîte que tu as donc vendue à Labellium qui s'appelle Feed Manager. Est-ce que déjà tu peux revenir sur ton parcours? Tu as 36 ans, donc effectivement, on est un peu loin des 16 ans, 17 ans des lycéens qui nous écoutent, mais c'est intéressant quand même de savoir ce que tu as fait après le bac. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire déjà? Je savais que j'avais envie d'entreprendre. Ça, c'est quelque chose C'est déjà une qui bonne était chose. déjà assez ancré chez moi. Quand j'ai passé, avant que je passe mon bac, je me suis trompé une première fois où je voulais plutôt faire de l'informatique au début. Et puis j'ai choisi, et sous les conseils de mes professeurs de l'époque, de redoubler pour partir vers un cursus plus marketing et finance. À l'époque, ça s'appelait STT. Puis j'ai eu mon bac et à la fin de mon bac, j'ai un prof principal qui m'a coaché en me disant. Je pense que tu peux faire plein d'autres choses qu'un BTS ou un IUT. Et puis, du coup, j'ai choisi d'aller passer les concours pour entrer en école de commerce. Et donc, j'ai eu la chance de rentrer dans le programme bachelor de la BEM. Ça s'appelait à l'époque, qui s'appelle Kedge Business School maintenant. Et donc, j'ai passé un bachelor avec une spécialité à l'époque, en 2006, c'était il y a longtemps, qui s'appelait Business e-Marketing. D'accord. Et donc de là, business marketing, qu'est-ce que tu as appris à l'époque concrètement? Et ça a débouché vers quel métier avant qu'il y ait tous ces nouveaux métiers qui apparaissent? Tu étais prédestiné à faire quoi au final? J'étais prédestiné à aller travailler dans le secteur digital, mais effectivement, même déjà à l'époque, en 2006, c'était un jeune secteur, hein, c'était un secteur qui avait une dizaine d'années, qui était déjà en structuration. Donc, c'est des postes de chef de projet digitaux où on pouvait faire énormément de choses. Mon premier métier, je faisais à la fois de la publicité sur Internet, à la fois de l'envoi d'emails sur les bases de nos clients, à la fois la mise à jour du site web. On faisait beaucoup, beaucoup de choses. Il n'y avait pas de spécialiste extrêmement précis dans chacun des postes comme ça l'est aujourd'hui. Et donc, on était plutôt prédestiné à partir quand même dans des postes c'est ça, de gestion de projet. Ce qui a été intéressant dans ma réflexion d'entrepreneuriat, en passant dans une école de commerce, c'est d'avoir cette double casquette à la fois marketing et finance. Et donc, du coup, on reprend le béaba de la compta, de la finance, de l'analyse financière, et à la fois des cursus de formation avec des professionnels autour du marketing. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas de. Peu de formation dans le digital, donc c'était des professionnels qui venaient nous expliquer ce qui se passait, comment ça se passait et les nouveautés qui sortaient régulièrement. Et alors, du coup, toi, à l'issue de cette école, donc Kedge, du coup, tu as d'abord eu des expériences dans l'entreprise en tant que salarié. Oui, Qu'est-ce que oui, tu oui. faisais exactement et pour qui? Bah, d'abord, j'ai commencé mon tout premier métier, ça a été travailler chez Coffinoga. Chez Coffinoga, j'étais chef de projet web marketing et donc je gérais de la publicité. Sur Google, comme vous le voyez tous, hein, quand vous êtes connecté sur la première page d'accueil de Google, quand les gens tapaient achat ou crédit, on essayait d'être dans les premiers et de donner envie aux gens d'aller utiliser Coffinoga pour financer l'achat de leur voiture, l'achat de leur cuisine, etc. Mais je faisais aussi la mise à jour du site web de Coffinoga, puisqu'on avait des nouvelles offres qui sortaient régulièrement. Je m'occupais aussi d'envoyer des mails aux clients de Coffinoga pour leur dire, tiens, il y a un nouveau financement qui existe si vous avez envie de changer de voiture. Enfin, bref, je m'occupais
globalement, j'étais un opérationnel, donc c'est-à-dire celui qui fait la publicité. Et j'étais pas, que mon manager me disait, bon, voilà, on va lancer telle campagne. Et donc, moi, mon travail, c'était de mettre en place les campagnes de communication. Et je travaillais avec des agences qui s'occupaient de créer, donc des agences comme Labellium, qui s'occupaient de créer les annonces publicitaires et puis de gérer les annonces publicitaires. Donc en fait, tu avais ton manager qui disait, on a une campagne pour le, parce que Cofinaga, effectivement, c'est une entreprise qui fait du crédit pour les particuliers sur des achats de cuisine, de voitures ou autres, enfin du crédit, quoi. La manager te disait, on a une campagne pour tel produit financier, tel crédit, il faut en parler, il faut qu'on soit les premiers référencés sur Google, voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu faisais? Bah, tu prenais ce brief, tu l'organisais et tu appelais une agence pour qu'elle crée les visuels, pour qu'elle crée tout l'univers qui allait avec cette campagne publicitaire pour donner Exactement. envie aux gens de cliquer et de demander des infos sur le crédit, en fait, c'est ça. Exactement. Et en fait, le truc qui est génial dans le digital, qu'on n'a pas forcément dans la vie réelle quand on fait de la publicité, c'est qu'on va avoir la possibilité de dire, tiens, ma publicité que j'ai fait là, et surtout encore plus à l'époque, les gens ont cliqué dessus. Donc génial, ils sont venus sur mon site web grâce à cette publicité. Et est-ce qu'ils ont fait une demande de crédit ou pas? Et du coup, l'agence, c'est le travail de l'agence, c'est d'essayer de générer un maximum de conversions, donc c'est-à-dire de demandes de crédit par rapport à un maximum de clics. Donc l'objectif, c'est vraiment de se dire comment je peux optimiser mon investissement publicitaire pour qu'il soit le plus rentable possible et que ça me rapporte un maximum de clients. Et alors ensuite, une fois que tu es passé par Cofinoga, tu as eu une expérience justement dans le e-commerce. Exactement. Et après, tu as décidé de te lancer. Tu vas nous raconter ce qui s'est passé du coup. Oui, donc j'ai travaillé chez le paquebot bordelais du e-commerce et français même, qui s'appelle Cdiscount, que vous connaissez sûrement tous, dans une époque assez reculée, puisque on était encore très peu nombreux, on était un peu moins d'un millier d'employés à l'époque. Et donc du coup, je suis rentré au départ. Donc on parlait tout à l'heure de sectoriser les métiers. Quand j'étais chez Cofinoga, je m'occupais de à peu près toute la mise en place des publicités. Chez Cdiscount, je suis rentré, je me suis occupé juste des comparateurs de prix. Alors, je vous parle de quelque chose que beaucoup, peut-être d'entre vous, ne connaissent pas ou n'utilisent plus. Parce qu'à l'époque, les gens utilisaient énormément les comparateurs de prix. J'allais sur un site comme il s'appelait Quelqu'un, ou leguide.com, ou Twenga, et je tapais, tiens, je vais m'acheter un téléviseur Sony 110 cm. Et puis, j'avais tout un tas de résultats qui existaient, et ces résultats, ils étaient payants. Et donc, nous, e-commerçants, on allait référencer nos catalogues de produits chez ces comparateurs de prix, et puis on gérait la publicité. Donc moi, là, pour le coup, je n'avais pas une agence, c'était moi, chez Cdiscount, qui gérait cette publicité-là sur les comparateurs de prix. Et puis au fur et à mesure, Cdiscount, c'était une vraie start-up, comme on l'entend, c'est-à-dire avec des très très forts taux de croissance, et du coup une très très forte, plein de possibilités d'opportunités. Et donc à un moment donné, j'ai eu l'opportunité de me développer autour du référencement payant, et puis à un moment donné, j'ai eu la possibilité de travailler sur le média. Donc le média, c'est... Vous voyez toutes les bannières publicitaires que vous avez sur les sites quand vous naviguez Le Monde, je sais pas, Le Figaro ou n'importe quel journal, vous avez des bannières publicitaires. Ces bannières-là, on peut les acheter quand on est e-commerçant. Et donc mon travail, c'était de travailler sur le branding, la notoriété de Cdiscount. Ça a été mon deuxième travail chez Cdiscount. Et puis j'ai eu la chance, parce qu'on était une start-up et que on avait plein d'opportunités de lancer de nouvelles choses, de lancer les premières campagnes télé, radio et presse de Cdiscount à l'époque. Donc tout ça, c'est finalement aussi dans l'univers du marketing. Marketing, voilà. Là, je suis sorti un peu de ma casquette digitale, mais on l'a géré à la digitale, c'est-à-dire qu'il fallait savoir exactement ce que ça nous rapportait, comment on le gérait, comment l'optimiser. Mais à l'époque, on achetait à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on contactait TF1 avec une agence pour négocier notre access prime time juste après le 20h de TF1 pour pouvoir avoir un maximum de visibilité. Et alors du coup, après, tu as décidé donc de lancer ta boîte qui s'appelait Feed Manager. Donc là, tu as Exactement. créé ta startup, donc tu as quitté le salariat pour devenir entrepreneur, donc qui est peut-être quelque chose, même si vous êtes encore jeune aujourd'hui, qui vous fait rêver, qui vous donne envie et que par lequel certaines d'entre vous passeront. Et donc, qu'est-ce que c'était Feed Manager? En quoi ça consistait? En quoi ça consiste toujours? Parce que En quoi ça consiste ça... toujours? Pardon. Oui, c'est vrai que ça existe encore. L'idée, c'est quand j'étais chez Cdiscount, j'avais cette on avait ce parti pris chez Cdiscount de dire c'est le marketing de l'offre. Ce qui fait la puissance de Cdiscount, ce qui fait toujours la puissance de Cdiscount, c'est sa capacité, avec son réseau d'acheteurs, de trouver les bonnes offres, les bons produits, au bon prix, et qui fait que je vais être capable d'avoir la meilleure offre à proposer par rapport à Amazon, par rapport aux autres. Donc, je me suis dit, et ce qu'on disait chez Cdiscount, c'est que quand on avait 500, je sais pas, 500 téléviseurs, mais en fait, on en avait peut-être
trois, quatre, cinq qu'on avait envie de mettre en avant, parce que c'était ces téléviseurs-là, on avait eu le super prix, la super offre, on avait envie de les mettre en avant. Et donc, on avait trouvé par des techniques de gestion des catalogues de produits, des techniques pour pousser ça dans les comparateurs de prix. Et puis, je me suis dit, et j'avais une startup qui se lançait en même temps à l'époque à Nantes qui s'appelait Vengo, je me suis dit, il y a peut-être une opportunité de proposer ce type de service-là directement aussi aux e-commerçants, aux autres e-commerçants de la place, qui eux aussi font de la publicité sur les comparateurs de prix. Et donc, du coup, j'ai proposé ce service-là en tant qu'agence, en me positionnant, en disant, bah, moi, mon travail, mon savoir-faire, Field Manager, c'est Be Fit Centric, c'est de se dire, je suis focalisé par le marketing de l'offre pour pousser mes produits, les mettre en avant et mettre en avant mes meilleures offres auprès des internautes qui les recherchent. Et donc, du coup, à partir de là, tu as lancé ta boîte, tu as eu tes premiers clients. Et c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment, le catalogue produit comme ça à l'époque, digital. Cette démarche-là existait peu. Il y avait peu d'acteurs. Le marché n'était pas structuré. Et ce qui a fait que le marché, d'un seul coup, a accéléré très fortement, c'est le jour où Google a dit « Je vais lancer un nouveau format produit qui s'appelle Google Shopping ». Et qui permet, vous voyez souvent, quand vous faites une recherche, si on reste sur le téléviseur Sony, si vous tapez téléviseur Sony sur Google, sur la page d'accueil de Google, vous allez avoir des produits qui vous sont proposés et dans lesquels, quand vous cliquez, vous pouvez aller directement sur le site du e-commerçant. Ce produit-là, il a été créé il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Et pour nous, ça a été un vrai tournant, puisque du jour au lendemain, tous les e-commerçants se sont dit « En fait, j'ai besoin d'avoir un catalogue structuré, j'ai besoin d'avoir un catalogue optimisé et j'ai besoin d'être accompagné pour aller faire de la publicité sur Google par mon catalogue ». Et ça a vraiment été une disruption du marché de la publicité quand c'est arrivé. Et nous, ça a été un vrai accélérateur de croissance pour nous. Et à partir de là, donc, il y a eu d'autres années, tu as embauché du monde. Et donc, tu as été racheté par Labellium. Ce qui est sympa, c'est ce que tu me disais, c'est que finalement, ça s'est joué, je ne sais pas si on peut le dire, un gros client que vous aviez en commun, que tu allais leur piquer. Et finalement, ils ont dit non, on veut garder ce client. Et donc, il a été question après que Labellium, qui est quand même une grosse agence, hein, il y en a partout dans le monde, des agences Labellium, rachète Feed Manager. C'est bien ça. Oui, en fait, on a eu la chance d'avoir des clients en commun avec Labellium. Ça a été une opportunité de se rencontrer. Il y a un gros client sur lequel on les a un petit peu embêtés parce que notre technique à l'époque, c'était on dit, venez, on vous optimise votre catalogue de produits sur Google et vous allez voir, grâce à nous, vous allez être beaucoup plus performant. Et puis, au bout d'un moment, on disait, oui, regardez, on est plus performant. Et si vous voulez qu'on soit encore plus performant, donnez-nous la gestion des campagnes. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est pas passé. C'est pas passé. Mais par contre, les gens de Labellium se sont dit, mais ce qu'ils font, enfin, on a vu un vrai avant-après, au moment où ils ont commencé à travailler avec nos clients, et le moment où nous, on s'est retrouvé à avoir leur fameux catalogue optimisé, on a vu les perfs exploser, devenir vraiment beaucoup plus rentables. Et du coup, ils se sont dit, mais il y a quelque chose à faire. Et donc, Labellium, à l'époque, ils étaient dans une réflexion de se dire, tiens, ils avaient une belle taille, ils avaient déjà une quinzaine d'agences dans le monde, que ce soit en Europe, en Amérique du Nord ou en Asie-Pacifique, ils se sont dit, en fait, on a deux métiers principaux que sont le référencement payant et le référencement naturel. On a besoin de continuer à développer nos expertises et de racheter Feed Manager, c'est de rajouter une corde à notre arc et surtout, c'est d'améliorer les performances de nos clients internes. Et donc, du coup, en 2016, Stéphane Levy, le président de Labellium, m'a proposé de se dire, écoute, Maxime, tu es très franco-français, tu as fait un super truc, mais si tu veux passer à l'étape d'après, accélérer, et partir à l'international, nous on peut t'aider, rejoins le groupe Labellium et puis on va faire un truc assez sympa. Et donc du coup, c'est ce qui s'est passé. La promesse a été tenue. Aujourd'hui, on travaille dans une trentaine de pays dans le monde avec Feed Manager. Quand ils ont racheté la boîte, on était une quinzaine. Aujourd'hui, on est 45 à Bordeaux toujours. Et on continue d'embaucher. Donc voilà, il y a des lycéens, mais s'il y a d'autres personnes qui écoutent et qui ont envie, qui cherchent du travail, on cherche du monde toujours sur Bordeaux. Et donc, du coup, c'était une formidable aventure. Et puis, la finalité de l'aventure, où aujourd'hui, j'ai passé les rênes à Bordeaux à une directrice générale, Laetitia. Et donc, du coup, où j'ai pu, moi aussi, évoluer maintenant dans le groupe Labellium. Donc, c'est une super, super opportunité. Alors, justement, Maxime, il y a deux questions qui sont arrivées. Mais avant d'y répondre, juste pour un peu expliquer comment ça se passe. Au sein de Labellium, est-ce que tu as finalement créé, au sein de Feed Manager dans le e-commerce, est-ce que tu as finalement créé des nouveaux métiers sans le savoir? Aujourd'hui, quand on travaille chez Feed Manager, donc qui appartient au groupe Labellium, tu l'as bien expliqué maintenant, quelles sont les compétences métiers qu'on va rechercher dans une entreprise comme celle-ci? Alors effectivement, on a créé un métier qu'on pourrait résumer en grande ligne, qu'on appellerait un Feed Manager.
Parce que, au fond, de gérer des catalogues de produits, hein, c'est manager des fils, manager des flux en anglais. Donc, oui, on a créé un nouveau métier, en fait, parce que, il n'existait pas de profil il y a une dizaine d'années dont le métier c'était d'abord de gérer des catalogues de produits. En Aujourd'hui, ligne. en ligne, exactement, et d'optimiser ses contenus. Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, c'est vraiment un nouveau métier qu'on a créé qui n'existait pas. Après, chez Labellium, si on prend Labellium d'il y a 20 ans, parce que maintenant la boîte a été créée en 2000, donc ça fait 20 ans que Labellium a été créé, et de Labellium aujourd'hui, les métiers ont complètement changé. Ce qui ne change pas, c'est ce que l'on utilise pour travailler. On utilise les plateformes publicitaires, on utilise énormément Excel. C'est pour travailler dans le digital globalement, on a tellement de possibilités de voir ce qui se passe, d'analyser tout ce qui se passe, qu'on a besoin de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les chiffres pour pouvoir savoir si ce qu'on a fait, ça s'est bien passé, et si ce qu'on peut faire pourrait aussi bien se passer. Donc le fichier Excel ou le Google Sheet, si on travaille en ligne, c'est quelque chose d'indispensable et il faut avoir envie de le faire. En tout cas. Il Et faut le puis, maîtriser, en tout cas. il faut le maîtriser. Et puis, avoir un esprit de synthèse, un esprit de rédaction qui soit clair, puisqu'on fait énormément aussi de présentations auprès de nos clients pour leur dire, voilà, ce qu'on avait prévu de faire, la stratégie qu'on te propose de mettre en place, et est-ce qu'on l'a atteinte ou pas. Donc, il y a vraiment un besoin aussi de synthèse et de connaissances sur l'utilisation de ce type de plateforme aussi. Et alors du coup, à part le métier, donc là tu parlais de chez Feed Manager, et comme tu es CEO de Labellium, il y a plein d'autres agences qui ont d'autres fonctions en dehors de Exactement. Feed Manager. Donc il y a Tigers qui est une agence média, tu as d'autres agences spécialisées dans la data, enfin tu vas nous en parler. Et là justement, c'est tout un ensemble, plein de nouveaux métiers qui sont les métiers actuels, mais les métiers d'avenir aussi, qui sont embarqués dans Labellium et pour lesquels, eh bien, on peut se former post-bac. Est-ce que tu peux nous parler de ces différents métiers qu'on retrouve? Exactement. Bon, on a Labellium. On va être extrêmement synthétique et on va volontairement bien les mettre dans des cases pour qu'on puisse bien comprendre, même si les cases se croisent régulièrement. Mais Labellium, son métier, l'agence, c'est le référencement payant et naturel. Donc, c'est-à-dire la première page d'accueil de Google, faire en sorte que on puisse apparaître le mieux possible sur cette première page de Google. Soit en payant en faisant de la publicité, soit en faisant en sorte d'optimiser un site internet, en ajoutant du contenu, en optimisant techniquement le site web pour remonter naturellement, donc gratuitement, dans le moteur de recherche de Google. Ensuite, on a Tigers. Tigers, c'est une agence média spécialisée dans le social, dans la stratégie de contenu et dans la stratégie d'investissement sur les plateformes sociales pour pouvoir gérer des plateformes comme Facebook, Instagram, Pinterest, Snapchat, YouTube, enfin toutes les plateformes TikTok. que vous utilisez tous, je suis sûr, beaucoup plus que moi, sur lesquelles on va être capable de pouvoir monter des formats, travailler avec des influenceurs pour générer du trafic et travailler sur la notoriété de la marque pour pouvoir émerger. Et donc, chez Tigers, on va avoir à la fois des gens qui gèrent la publicité, à la fois des gens qui réfléchissent sur le contenu et à la fois des gens qui se réfléchissent à toute la stratégie, c'est-à-dire la stratégie de contenu et la stratégie d'investissement média. Ensuite, on a M13H. M13H, c'est un cabinet de data, donc c'est une société qu'on a rachetée il y a 4 ouais, 4 ans à peu près, 34 ans, et qui est spécialisée tout ce qui est data analyse et data science, c'est-à-dire que leur travail, c'est de réfléchir à comment on va être capable de lire correctement les données. Les gens sont venus sur mon site web, ont eu certains comportements, on va être capable de les mettre dans certaines cases, faire des segmentations clients, créer des audiences de clients pour pouvoir derrière faire une publicité beaucoup plus ciblée. Et puis, ils vont aussi travailler sur toute une partie de reporting, de dire, ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Donc là, c'est plutôt des profils d'ingénieurs qui vont sortir d'école c'est ça, d'ingénierie informatique et mathématiques. Ensuite, on a Field Manager, dont on a parlé régulièrement. Et on a aussi deux nouveaux venus. Le premier, il s'appelle Ando Factory. Son travail, c'est d'accompagner des marques ou des e-commerçants multi-produits dans leur réflexion sur leur plateforme e-commerce. Est-ce que j'utilise la bonne plateforme pour vendre mes produits? Est-ce que j'ai une bonne plateforme logistique? J'ai envie d'aller essayer un nouveau pays? Je peux me lancer sur ce pays-là? Quelle logistique? Quel service client? Etc. Et enfin, la dernière société, c'est Stratnext. Pareil, qui vient juste d'être créée il y a quelques mois. Et Stratnext, c'est une agence qui est spécialisée dans tout ce qui est transformation digitale.
et l'accompagnement des directeurs marketing ou dirigeants d'entreprise dans toute cette réflexion stratégique auprès de voilà, comment le digital peut m'aider à me développer et de devenir un nouveau relais de croissance pour mon entreprise. Et finalement, donc pour ces cinq entreprises, c'est bien ça, cinq, oui. Six ou sept, je ne sais plus à la fin. Il y a qui font partie de l'Abellium, il y a des besoins. Donc, comme tu l'as dit pour Tigers, bah là, on va être sur les métiers dont on a parlé tout à l'heure avec Rebecca Lefleur, le brand content manager ou brand content, tout ce qui est community manager, social media manager. Maintenant, ça se mélange un peu, mais voilà, maîtriser la communication sur les réseaux sociaux, créer des communautés, créer du contenu de marque, savoir écrire aussi, j'imagine, tout ce qui est rédacteur, c'est important. Derrière, il y a ce que tu disais, Maxime, il y a la stratégie, donc la réflexion marketing, digital et communication par rapport à des clients qui ont des demandes précises, etc. Tout ça, finalement, converge aussi, en fait, sont complémentaires vers le e-commerce. Finalement, on peut avoir une demande d'un client qui va dire, je voudrais revoir ma plateforme e-commerce, mais en même temps, j'ai envie de faire de la pub sur tel média par rapport à un nouveau produit qui sort. On est vraiment dans du 360, finalement, tout est complémentaire. Oui, complètement. En fait, c'est très rare qu'un client arrive et me dise, bah, je veux changer mon site web et tout refaire en même temps et lancer une nouvelle strat. Souvent, on va rentrer par un média. Ça peut être le référencement payant, ça peut être le social, ça peut être par la data aussi, en disant, bah, j'ai une direction data qui a un besoin spécifique sur, par exemple, toute la notion de RGPD. Tout le monde en parle en ce moment. On accompagne pas mal de clients avec M3A sur toutes les notions de RGPD. Donc, en fonction de. Et en fait, notre idée, c'est de se dire, avec l'Abellium, aujourd'hui, on est capable de vous accompagner sur la totalité du spectre digital. Et donc, de pouvoir vraiment se dire, bah, tiens, je peux créer une synergie entre le social et le référencement payant avec Tigers et l'Abellium pour faire en sorte que tout soit bien coordonné. Je peux travailler sur le référencement payant, le social, mais travailler et m'appuyer sur Feed Manager qui va me créer mes catalogues de produits pour aller faire de la publicité sur Instagram, sur Facebook, mais aussi sur Google, etc., etc. Donc ça permet vraiment voilà, de pouvoir accompagner un client sur la totalité. On a créé du coup, il n'y a pas très longtemps maintenant, un nouveau poste pour pouvoir travailler là-dessus, ce qu'on appelle un programme manager. Le programme manager, son travail, c'est créer des programmes, comme son nom l'indique. Par exemple, un programme, c'est de se dire, notre client a une réflexion en disant, je veux générer du trafic dans mes magasins. J'ai un site e-commerce, mais je veux aussi pouvoir dire, bah tiens, j'ai des gens, quand je fais la publicité, qui peuvent aussi dire, bah tiens, il y a un Cultura à Bordeaux-Lac, bah, vous pouvez trouver ce produit-là chez Cultura à Bordeaux-Lac. Et donc, du coup, bah, le programme manager va se dire, OK, le travail que mon client m'a demandé, c'est réfléchir à une stratégie pour générer du trafic en magasin avec le digital. Et il va aller s'appuyer sur toutes les agences de Labellium en disant, bah, les formats, il y a un format chez Facebook qui permet de faire ça, il y a un format chez Google qui permet de faire ça, etc., etc. Puis du coup, il va s'appuyer sur Tiger, sur Labellium, et à un moment donné, il va venir voir Feed Manager en disant, bah tiens, Feed Manager, j'ai besoin de catalogues produits des magasins pour faire de la publicité dessus. Et enfin, s'appuyer sur M3H pour dire, bah tiens, M3H, on a fait plein de campagnes, on aimerait bien maintenant savoir ce que ça a donné. Et donc, M3H va créer tous les dashboards, tous les tableaux de suivi pour pouvoir voir si ce qu'on a fait a performé. Donc en fait, finalement, le programme manager, c'est un super méga chef de projet, quoi. Exactement. Voilà, Donc c'est ça, en c'est charge voilà, de. nouveau job, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de chef de projet, mais pour les lycéens qui aiment bien tout ce qui est gestion, organisation, il y a des jeunes qui ont la fibre aussi pour ce genre de choses, hein. Il y a ces métiers également. On va passer aux questions avant de revenir aussi sur, parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes. Alors déjà, il y a une question de Sophie, Maxime, qui est: quel est l'impact des réseaux sociaux dans la stratégie e-commerce? C'est un levier qui est indispensable, qui peut à la fois travailler sur la partie branding, donc la partie marque, en disant bah, je vais pouvoir travailler sur des communautés et faire parler de ma marque sur les communautés. Et donc, du coup, faire émerger cette marque-là. On va pouvoir travailler avec des influenceurs qui vont, si vous êtes une marque, pouvoir parler sur les réseaux sociaux de votre marque aussi, parce que voilà, c'est important qu'il y ait du bruit qui se fasse autour de votre marque et les réseaux sociaux sont un super levier pour ça. Et derrière, on a plein de formats publicitaires qui vont permettre de dire, bah, tiens, un internaute est venu chez moi, il a vu des produits, et ensuite, quand je vais retourner sur Facebook ou sur Instagram, bah, je vais lui reproposer ces produits en disant, bah, tiens, tu es venu chez moi, tu as vu ces produits-là, bah, oublie pas, ils sont toujours disponibles, tu peux venir les acheter chez moi. Donc, Facebook, c'est indispensable. Et puis, c'est un trafic colossal. Enfin, faut vous dire, enfin, vous êtes tous, je pense, utilisateurs de Facebook, d'Instagram ou des plateformes sociales. On consomme énormément de plateformes sociales, donc c'est
c'est un endroit où il faut absolument être quand on a besoin de faire de la publicité et d'émerger sur le marché. On a une autre question de Romain. À ton avis, quel type d'études faut-il faire, Maxime? Est-ce qu'il faut plutôt faire une école de commerce ou une école spécialisée marketing / communication digitale, par exemple comme l'ISEG? Ça dépend vraiment du projet professionnel. Si on veut venir travailler chez Labellium, c'est assez éclectique. On a des profils qui arrivent d'un peu partout. Mais c'est vrai que d'avoir cette culture digitale, c'est devenu maintenant indispensable. C'est-à-dire qu'il faut que vous connaissiez les plateformes. Alors, vous les connaissez souvent toutes parce que vous les utilisez en tant qu'utilisateur. Mais d'avoir une bonne connaissance de qui sont les acteurs principaux, les réflexions autour de qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment on peut utiliser telle ou telle plateforme pour faire de la publicité, ça commence à être indispensable aujourd'hui maintenant pour pouvoir commencer à travailler dans le digital. Ça me permet de rebondir sur le fait que la DG actuelle de Film Manager est une ancienne de l'ISEG. C'est bien ça, Laetitia? Laetitia, c'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette. Il me semble que Laetitia fait l'ISEG, effectivement. Voilà. Et Laetitia voilà, a une formation plutôt exactement marketing et communication. Elle a travaillé chez Sud-Ouest et puis ensuite elle est venue chez Film Manager. Et effectivement, cette culture qu'elle avait quand elle est arrivée chez nous, c'était... C'était très très intéressant. Alors du coup, on avait pas mal de questions. Je regarde le temps qui reste. Bon, alors déjà, à ton avis, Maxime, tu m'as déjà dit que l'anglais était indispensable. Ça, il faut le redire parce qu'on l'a dit ce matin avec Namakim, on l'a dit après avec Rebecca, et là tu le redis. Il faut parler anglais. J'ai été un très très mauvais élève en anglais pendant toute ma scolarité. Et je l'ai regretté quand j'ai commencé à travailler parce que je pense que je suis passé à côté de certaines opportunités quand je suis arrivé sur le marché du travail. Et puis, quand je me suis retrouvé chez Labellium, quand ils ont commencé à discuter avec moi, je me suis dit que c'était quand même un gros groupe international, même si c'était une boîte française. Donc, j'ai commencé à reprendre beaucoup de cours en anglais. J'ai dû redoubler d'efforts. Et le premier client que j'ai gagné avec Labellium, ça n'a pas été un client français, enfin c'est un client français, mais ce n'était pas sur le marché français, c'était sur le marché américain. Ça a été L'Oréal. Et donc, vous êtes le petit Frenchie bordelais avec votre solution clé en main en se disant ça peut peut-être intéresser L'Oréal, avec le directeur de L'Oréal New York, le directeur de Labellium New York et puis les responsables marketing et digital de L'Oréal. Il va falloir que vous argumentiez ce que vous faites et pourquoi il faut que vous le fassiez. Et je peux vous dire que vous avez intérêt à parler correctement anglais parce que ça peut faire un peu peur. Et que du coup, on voit. Donc, surtout, bossez votre anglais. C'est indispensable. Aujourd'hui, dans le digital, on ne recrute plus de personnes chez Field, mais même chez Labellium, qui ne parlent pas à minima anglais. Oui, à minima, c'est vraiment savoir tenir une conversation, pouvoir parler de data, de chiffres, Et pouvoir présenter des résultats, une stratégie, c'est-à-dire s'exprimer en réunion, en call à distance, au téléphone, en vidéoconférence. Voilà, c'est vraiment toutes ces situations sur lesquelles il faut être à l'aise, agile. Donc après, vous pouvez passer tout ce qui est TOEFL, TOEIC, il y a pas mal d'autres, pour confirmer votre anglais, mais là, on l'a dit ce matin, je pense que ça fait partie des messages clés aussi sur les compétences en dehors des métiers d'avenir, mais sur le fait que c'est des skills qui sont vraiment indispensables. Qu'est-ce qui fera la différence, à part le fait de parler anglais, Maxime, sur des profils, même junior, j'allais dire junior, on laisse un peu la chance au produit parce qu'il démarre, donc voilà. Qu'est-ce qui va faire la diff sur les profils? Souvent, de toute façon, quand on fait passer des entretiens, on ne va pas aller chercher sur les connaissances. On se dit, sort d'une école de commerce, c'est comme quand on fait du Google Ads et qu'on dit « je suis certifié Google Ads ». Ben, encore heureux, sinon, on n'aurait pas forcément envie de bosser avec vous. C'est plus un argument. Ok, je suis diplômé d'ISEG. Génial. Ok, tac. Tu as validé. L'ISEG a signé pour dire que tu étais bien câblé, que tu travaillais bien et que tu étais quelqu'un d'impliqué. Donc, en fait, on va peu chercher là-dessus. Surtout quand c'est un junior. Ce qu'on va chercher, c'est sur l'état d'esprit, sur sa capacité d'intégration auprès de l'équipe qui est extrêmement important, sa capacité de parler face à face avec un client et que voilà, il n'y ait pas une crainte, une peur. Donc dans un entretien d'embauche chez nous, on va poser des questions sur les stages. Est-ce que vous avez déjà fait du Excel? Est-ce que vous aimez ça? On préfère poser la question parce que quelqu'un qui nous dit j'adore Excel, puis en fait il n'aime pas ça, au bout de 2 semaines, il a envie de changer de boulot chez nous. Donc on préfère prévenir tout de suite. Mais
Au-delà de ça, c'est quoi ton état d'esprit? C'est quoi les choses que tu aimes dans la vie? Que, voilà, on a besoin aussi de palper, de voir comment sont les gens pour voir si ça le ferait avec l'équipe. C'est extrêmement important. Donc, l'état d'esprit est important, les valeurs sont importantes pour pouvoir voir comment cette personne va pouvoir s'intégrer dans nos équipes. Oui, donc ce que tu veux dire par là, c'est que oui, il faut un cursus, il faut quand même, voilà, être diplômé, avoir la tête bien faite, finalement, Exactement. c'est important. Mais derrière, il faut, on n'est pas des machines, donc c'est intéressant d'avoir des gens au parcours un peu atypique. Voilà, il faut pas non plus, je pense, se dire qu'il faut absolument être original pour être Non, pas recruté du dans tout. des agences. Pas du Mais tout, pas du c'est tout l'idée. important de se dire qu'il faut avoir, je pense, une maturité, une réflexion. Et puis on l'a dit aussi dans les conférences précédentes, je pense, de la culture générale, s'intéresser à tout, écouter les médias, écouter les tendances. Et c'est vrai que C'est ça, finalement, oui. les jeunes sont les premiers Exactement. consommateurs des nouveaux médias, les lycéens. Donc c'est un peu nous qui apprenons d'eux aussi quelque part. Mais derrière, il faut, quand on arrive diplômé, avoir apporté une réflexion, apporter voilà sa culture aussi, sa culture personnelle Effectivement, et oui. Il viendra ses enrichir la références. société aussi, effectivement, tout à fait. On a d'autres questions. Alors, une de Rémi qui te demande qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans l'entrepreneuriat, Maxime? Je pense c'est un mix de plein de choses. C'est un mix de dire que j'étais mon propre patron, ça me plaisait bien, que ça soit quelque chose que je créais de moi-même, je réfléchissais tout et que je maîtrisais tout. Donc ça, c'est quelque chose qui était important pour moi. Ouais, c'est excitant. C'est excitant. Il y a plein de gens qui auraient peur de le faire parce qu'ils pourraient se dire qu'il y a un risque ou ça peut faire peur ou quoi. Sur l'entrepreneuriat, je ne le voyais pas trop. Donc du coup, je me suis un peu lancé dans le bain comme ça, sans forcément, je ne vais pas dire trop réfléchir. J'y ai réfléchi parce que j'ai quand même quitté une entreprise pour créer ma boîte. Mais ouais, donc ouais, l'envie de tout maîtriser, l'envie de créer mon propre business. Oui, d'avoir ta liberté, même si c'est beaucoup beaucoup de travail, hein, d'être son propre patron, mais en tout cas, voilà, de et finalement, pour revenir au salariat après, ça a été difficile. Enfin, même si tu as une position de CEO, ça a été difficile d'intégrer psychologiquement. Je me considère toujours pas comme employé. Non, en fait, Labellium, c'est une boîte d'entrepreneurs. Et les nouvelles activités qu'on crée, on le crée avec des entrepreneurs. Donc, du coup, ça reste un groupe d'entrepreneurs, un groupe de femmes et d'hommes plutôt sympas et qui sont plutôt bienveillants entre eux. Donc, ouais, j'ai beau avoir plusieurs directeurs au-dessus de moi, on reste des entrepreneurs. Voilà, avec un objectif commun, la réussite du groupe Labellium. Et donc, du coup, j'ai toujours pas j'ai pas la sensation d'être un employé ou un salarié de Labellium. Ok, on a une autre question, mais avant, je voudrais revenir un peu sur voilà pour les métiers d'avenir. Au niveau filière, donc on peut très bien avoir fait une filière littéraire. On peut est-ce qu'il y a vraiment quand même des prérequis t'as parlé de l'état d'esprit, mais vraiment sur le diplôme, hein, les diplômes, les études. Est-ce qu'il y a quand même des prérequis, des parcours un peu des cursus honorum, on va dire? Oui, enfin, ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il faut faire une école de commerce ou une école de marketing et digital? Enfin, je reviens aux chiffres. Les chiffres sont importants. Donc, quelqu'un qui a fait un bac littéraire, puis une fac LEA ou une fac littéraire derrière, c'est que j'ai peur qu'elle s'amuse pas. C'est plus ça. Mais bon, après, on ne sait jamais. On pourrait regarder, mais Même dans la partie créative, Maxime, même dans toute la partie de l'agence Tigers, avec tout ce qui est social media, tout ce qui est réflexion sur les contenus, création de contenus. en fait, chez Tiger, ce n'est pas une agence de community management, c'est une agence de stratégie, de réflexion autour du contenu. Donc, effectivement, on peut potentiellement peut-être avoir des gens. Il peut avoir ces réflexions-là, mais c'est plutôt une réflexion de rédaction marketing plus qu'une réflexion de rédaction littéraire. Donc, il y a quand même besoin de faire passer certains messages de certaines manières, une certaine approche comportementale du contenu, en disant, tiens, je suis en train de parler à une audience qui a entre 16 et 18 ans, ou je suis en train de parler à une audience qui a plutôt entre 40 et 50 ans. C'est pas la même approche du contenu. Donc, je vais pas dire que tu me poses une colle, mais enfin, je sais Oui, pas. il faut voir le profil, quoi. Il n'y a pas de Voilà, on barrière. va dire que Il c'est faut pas voir le le profil, profil. on va dire il faut que j'aille recruter quelqu'un qui a fait un profil plutôt littéraire. Mais on va plutôt s'orienter sur
aujourd'hui école de commerce, master spécialisé dans le digital marketing. On va s'orienter vers les licences spécialisées, que ce soit à l'université ou dans les écoles spécialisées. Voilà. Mais Oui, on parce qu'après, c'est vrai que la série littéraire, le bac, tu peux avoir fait un bac L, mais après avoir fait un master avec une option Ouais, marketing digital. je Donc, pense à deux employés à Bordeaux qui ont fait une filière littéraire et qui ont ensuite fait une licence e-commerce à l'université et qui sont super bien. qui sont chez Field Manager. Et qui sont chez Field Manager, oui. Alors, c'est D'accord. pareil, je les connais pas tous, enfin, je connais pas tous leur cursus, mais sur Bordeaux, je sais à peu près d'où ils viennent Alors du coup, on a une autre. Enfin, moi, j'avais d'autres questions en moyenne. Hein, je sais pas si c'est évident, mais au niveau salarial, quelqu'un qui est chez Feed Manager en junior ou dans d'autres boîtes, parce que dans les autres boîtes de Labellum, il y a beaucoup de boîtes. Est-ce que tu as une moyenne quand tu sors de tes études bac plus 5, on est sur des postes à combien en annuel brut au En départ? fait, ça va être ultra compliqué de répondre à cette question. C'est pas que je veux pas, je vais pas te donner une fourchette, je vais te donner une fourche. Parce que ça dépend de plein de choses. Ça dépend du niveau d'études, du type de métier que l'on va faire, de la localisation géographique. Oui, c'est Peut-être tu vrai. travailles à Bordeaux, effectivement, et on est encore désolé. C'est peut-être parce qu'on a le soleil et des loyers moins chers, mais et payés moins cher à Bordeaux qu'à Paris pour un même niveau de poste et un même niveau d'études. C'est comme ça, voilà, c'est le coût de la vie est fait ainsi. Et puis, on n'a pas les mêmes types de prestations à Bordeaux qu'à Paris en termes d'accompagnement. Mais bon, bref, au-delà de ça, un junior, on va dire, qui arrive, qui sort d'un bac plus 3, on va être entre 24 et 26 000 euros par an. Et quelqu'un qui va, des centraliens, parfois qu'on embauche sur du M13H, on va tourner plutôt autour de 40 ou 50 000 euros par an. Ça dépend vraiment. Donc, ouais, c'est pour ça que c'est ultra dur pour moi de dire, bon, c'est à peu près temps. Et puis, je veux surtout pas faire ce qu'on m'a fait moi quand j'étais en école de commerce et que je faisais des conférences en disant, vous allez voir, quand vous sortez d'école de commerce, vous allez gagner 40 000 euros par an. Déjà à l'époque, on nous disait ça. Et donc, du coup, quand on débarque et qu'on nous fait des propositions de salaire, on arrive avec nos gros sabots à demander. Puis, on peut passer à côté de belles opportunités parce qu'on s'imaginait pouvoir gagner très, 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 très bien notre vie en sortant d'école de commerce. Il faut d'abord faire ses preuves. Par contre, il y a des vraies évolutions de salaire. C'est-à-dire qu'entre un junior qui a un an d'expérience et un premier senior qui a 3-4 ans d'expérience, il y a un vrai écart de salaire. Et ça, c'est pour le coup un parti pris dans le groupe Labellum, c'est de se dire, plus vous augmentez votre niveau de responsabilité, plus le salaire augmente. Niveau de responsabilité, c'est je gère des petits clients sur des petites tâches, je gère des très gros clients sur des grosses stratégies. Ce n'est pas forcément que je manage des gens. Bah, effectivement, on n'a pas le même salaire. On n'a pas le même salaire. Et Donc, après, quand je deviens évolution manager. possible au sein de Labellium, évidemment, en fonction Ouais. de l'ancienneté, du type de budget et de clients et de tout le travail qui va avec. Ouais. On avait une question de Manon. Avant qu'on clôture ce live, qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Il y a plein de choses. Il y a à la fois le côté de ce projet entrepreneurial qui, en fait, pour moi, est toujours pas terminé, puisque voilà, même si ça a commencé avec Field Manager, cette excitation géniale de se dire on crée quelque chose. Ça refait partie d'un groupe. Et puis maintenant, on est en train de développer le groupe. Donc, il y a cette notion de vision, de stratégie, et d'accompagnement et de mobilisation des équipes sur un projet commun qui est génial. Et c'est ce qui me donne envie de se lever tous les matins et d'avoir envie de faire plein de grandes choses avec eux. Et alors Maxime, si tu avais 16 ans aujourd'hui, quel conseil aurais-tu aimé que l'on te donne pour bien choisir ton orientation? Déjà, je me serais dit, va passer tes vacances en Angleterre. Alors, c'est compliqué en ce moment, je sais, avec le Covid et tout, mais j'aurais fait ce fameux voyage linguistique que j'ai jamais fait, partir plusieurs fois l'été pour bien, 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 bien travailler en anglais. J'aurais refait le même cursus de bac avec cette notion, ça s'appelait STT à l'époque, hein, avec les nouvelles formules, je ne sais pas comment ça se passe, mais en gros, avec une notion de marketing et de finance. Et je pense qu'on a un tas de masters spécialisés super intéressants maintenant, dans lesquels on peut s'éclater. Et donc, du coup, je pousserais peut-être à aller plus. À l'époque, ça n'existait pas, nous, c'était école de commerce ou fac. Il n'y avait pas trop de choix. Mais là, il y a vraiment. Enfin, vous avez un tas de choix vraiment génial. Et essayez de regarder une formation dans laquelle vous avez des professionnels qui viennent intervenir. C'est très important. Vous avez des écoles de commerce qui sont canons, qui ont pignon sur rue, mais c'est que les doctorants qui viennent vous faire des cours.
c'est bien, ça donne des visions super intéressantes, mais à un moment donné, c'est important d'avoir une vision du terrain, de comment ça se passe, de comment ça se gère, et c'est bien quand il y a des professionnels qui peuvent venir vous voir, vous expliquer comment ça se passe. Ok Maxime, un grand merci pour ton témoignage, pour ton retour d'expérience. C'était intéressant et voilà, on a retenu pas mal de messages, je pense, pour les jeunes lycéens, notamment l'anglais. Enfin, il n'y a pas que ça, mais ça, c'est ce qui Allez, revient dans toutes les créer des conférences. entreprises. Allez-y, créer plein de boîtes, ça va faire plein Et d'emplois. créer Voilà. des boîtes. Voilà, Voilà. lancez-vous, Je pense lancez-vous, qu'elle n'ayez est pas payée peur. pour Ça, ça. c'est cool aussi d'avoir ce genre de message. On va mettre ton LinkedIn, Maxime, sur le chat public pour que peut-être des jeunes qui ont d'autres questions t'envoient un petit message. Voilà, tu ne seras pas saturé de messages, je pense, mais s'il y a peut-être des questions auxquelles on n'a pas pu répondre, voilà. Et bah, écoute, je te souhaite beaucoup de réussite dans ton poste chez Labellium et dans tout ce que vous entreprenez. Et puis à très bientôt. Merci encore pour ton temps, ton témoignage, Avec tes grand plaisir. conseils. C'était vraiment vraiment sympa. Et je vous dis à tout à l'heure pour celles et ceux qui restent. À 14h, on a rendez-vous avec Julien Tellouc, qui est donc le rédac chef producteur de Game One, et on va parler de l'univers du gaming et de tous les métiers formidables qui gravitent autour du jeu vidéo en France. À tout à l'heure. À bientôt, merci Alexia. Ciao.